Avant de commencer cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à laisser votre avis en commentaire pour soutenir notre chaîne. L'échange glacial entre Gérald Darmanin et Zineb El Razoui sur Twitter, rapporté par le CCIE. L'atmosphère devient de plus en plus anxiogène dans les rangs de la politique française, notamment à l'approche des élections présidentielles. Les musulmans figurent au centre des débats alors qu'ils sont loin d'être les réels enjeux sociétaux de la France. Stratégie de diversion, manipulation de l'opinion publique, stigmatisation et répression d'une communauté minoritaire? Peu importe. Les prises de décision et les actions menées par le gouvernement français et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin deviennent de plus en plus graves. Le CCIE vient de partager sur ses comptes sociaux un échange glacial qui a eu lieu entre Gérald Darmanin et la polémiste Zineb El Razoui pour Le Figaro. On peut y lire. Cette lutte contre l'islamisme a été à l'origine de 24 000 contrôles menés tous azimuts et de 650 fermetures de lieux fréquentés par des fondamentalistes. Dans l'année qui vient, 10 autres associations vont faire l'objet d'une procédure de dissolution, dont 4 dès le mois prochain. Nous allons charger les élus locaux de demander le remboursement de subventions. Nous avons aussi procédé à 205 gels d'avoirs d'associations proches de la sphère séparatiste et nous ciblons les personnes radicalisées. Que pensez-vous de cet échange glacial? Merci de donner votre avis en commentaire dans le respect de l'autre et dans un esprit d'échange. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à nous développer.